Hey, 4 ans, tu crois que c'est tout ce que t'auras à endurer? Tous ces petits cons, toutes ces peines cul, si superficielles, si immatures. Mais enfin, quand t'as ton diplôme, tu regardes autour de toi et tu te dis hey, attends, c'est juste la même chose que ce dont je viens de sortir. Je pensais que c'était fini, putain génial. Le monde entier est juste obsédé par qui est le mieux vêtu et qui couche avec qui. Par qui a l'argent et qui a les belles nanas. Qui est plutôt mignon et qui est juste horrible. Et t'as toujours pas le bon look, ni les amis qu'il faudrait. Rien ne change à part les têtes, les noms et les modes. Le lycée ne s'arrête jamais. Regarde les ados populaires, tu devineras jamais ce qu'a fait Jessica. Comment Mary-Kate a pu perdre autant de poids? Et Cathy a eu un bébé, donc je suppose que Tom est bien hétéro. Et la seule chose qui compte vraiment, c'est de gravir cette échelle sociale. Ta coupe de cheveux ou la voiture que tu conduis les intéresse toujours, peu importe si t'as 16 ou 35 ans. Reese Witherspoon, la reine du palo promo. Bill Gates, capitaine du club d'échecs. Jack Black, le clown. Brad Pitt, le quarterback. J'ai déjà vu tout ça. Je veux être remboursé. Le monde entier est juste obsédé par qui est le mieux vêtu et qui couche avec qui. Qui sort en boîte et qui est sous drogue. Qui se fait vomir avant de digérer. Et t'as toujours pas le bon look, ni les amis qu'il faudrait. Et t'écoutes toujours la même merde que t'as fait à l'époque. Le lycée ne s'arrête jamais. Le monde entier est juste obsédé par qui est le mieux vêtu et qui couche avec qui. Par qui a l'argent, qui a les belles nanas. Qui est plutôt mignon et qui est juste horrible. Et j'ai toujours pas le bon look. Et j'ai toujours les trois mêmes amis. Et je suis quasiment le même que j'étais à l'époque. Le lycée ne s'arrête jamais. Le lycée ne s'arrête jamais. Et encore une fois.